Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver. On espère que vous allez bien. Où est-ce qu'on t'embarque pour cette fois-ci? À l'arrière-plan, là, est-ce que tu vois où on est? Non, on n'est pas au Maroc. On est toujours en Algérie et là, on va visiter la vallée du Mzab. La ville la plus connue de la vallée du Mzab, derrière nous, c'est Rardaya. La vallée du Mzab avec la Pentapole qui est composée de 5 villes, dont Rardaya, Bnisgen, Melaka, etc., etc. Et donc, nous, on va vous emmener visiter ça et essayer de vous montrer un petit peu ce qui fait la particularité de cette région. On espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! On démarre notre journée d'exploration. Alors ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a quitté notre gîte dans lequel on loge, qui est un peu excentré de Rardaya. Et puis on traverse la palmeraie à pied. Et l'objectif du jour, c'est d'aller visiter 3 des 5 villes de la vallée du Mzab. Enfin les premières villes qui ont été construites. Donc Rardaya, la plus connue. Bnisgen. Et El Atef. Donc on se balade, c'est plutôt agréable de se balader au milieu de la palmeraie, au milieu des palmiers. Certains ont encore des dattes, c'est joli. Puis nous, ça nous permet aussi de prendre notre temps. Vous savez qu'on aime bien faire ça. On commence par Rardaya. Donc là, on est arrivé dans le Ksar de Rardaya. Donc le Ksar, c'est la vieille ville. Vieille ville, ça porte bien son nom parce que le Ksar date de l'an 1053. Donc ça en fait un truc très très vieux. Près de 1000 ans hein, déjà. C'est un endroit qui est habité. C'est-à-dire que y a des maisons et les gens vivent ici. Donc on ne filme pas trop. Voilà, faut respecter aussi là où les gens vivent. Et on se balade et on va essayer d'atteindre la mosquée qui est tout en haut de la colline. Donc le Ksar, il est vraiment situé sur la colline qui surplombe la vallée du Mzab. On vous le montrera tout à l'heure. On va essayer de monter un peu plus haut. Et on parle pas trop fort pour pas gêner les gens. C'est pour ça que vous allez dire, vous n'avez pas d'énergie et tout, mais c'est juste qu'on essaye de faire attention. Donc à Rardaya, on est chez les Mozabites. Alors c'est quoi les Mozabites? Les Mozabites, c'est un peuple amazir, un peuple berbère, donc du coup qui vivait dans cette vallée-là. Après, bien entendu, l'histoire c'est la même partout. Hein. Il y a les Arabes qui sont venus notamment. Et aujourd'hui, dans cette région, on retrouve un mélange des deux cultures, des deux peuples. Mais l'empreinte berbère, elle reste quand même très forte. Bon, ça c'est vraiment le genre de lieu qu'on apprécie parce que... Vous voyez autour de nous, c'est vraiment des quartiers typiques à l'ancienne. On a l'impression de faire un vrai voyage dans le temps. Vous voyez, toutes les façades ont la même couleur, les ruelles sont très étroites. Donc ici, on ressent vraiment le poids de la vie et le poids de l'histoire qu'il y a pu avoir ici. Bon, Amine, il va tester une boisson typiquement de Rardaya. C'est quoi le nom? Takerweit. Takerweit. C'est trop bon. Je sais pas ce que c'est. Les Mozabites, c'est des experts en plantes médicinales, etc. Et donc le Takerweit, c'est la boisson notamment qui est utilisée pendant le ramadan. C'est une boisson énergisante. Et a priori, donc c'est à base de jus de citron, de clou de girofle, de gingembre, de myrte, etc., etc. C'est fort. Ouais. Bon, moi j'aime bien. On apprécie aussi parce que le temps... Ah ouais. Le temps est parfait pour marcher. Là, on est quasiment début décembre. Il fait peut-être 19, 20 degrés, quelque chose comme ça. Ouais, il va faire 24 normalement. Franchement, c'est hyper agréable. Quoi. Regardez, on est en manche courte. Et par contre, je ne sais plus si on en a parlé, mais la jolie découverte, c'était vraiment la fondation Tacha, donc qui permet aux femmes au foyer d'obtenir un revenu et en même temps d'entretenir une certaine forme d'artisanat. Et là, on est arrivé dans une boutique qui sert en même temps de coopérative où il y a des femmes en fait qui travaillent ici. Alors, on va vous faire un petit tour du propriétaire. Donc ici, on va retrouver des trucs traditionnels comme des habits, des djellabas, etc. Mais aussi des tapis, un petit peu de dinanderie. Un truc qu'on voulait vous montrer, qu'on connaissait pas, on vient de découvrir là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un jout. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en général un espèce de récipient. Donc vous voyez qui est entouré de clous de girofle. Et donc ce récipient-là, dont la base est faite avec de la peau de chèvre ou de mouton, je ne me souviens plus. En fait, c'est un cadeau de la maman à sa fille qui se marie. Elle permet de conserver l'eau au frais, dans un premier temps. Et en plus de ça, vu que c'est entouré de clous de girofle, donc ça a des vertus médicinales, c'est bon pour l'immunité, etc., etc. Donc ça s'appelle jout, on ne connaissait pas. Et c'est typique de Rardaya.
Le but de cette fondation, elle fournit les matières premières gratuitement. Les femmes peuvent travailler tranquillement chez elles comme elles en ont l'habitude. Et dès qu'elles ont terminé un tapis, la fondation le rachète, même s'il n'est pas certain derrière de le vendre. Comme ça, ça assure le revenu à la femme. Voilà, et ça, on a trouvé vraiment l'initiative sympa. On vous mettra même peut-être le lien Instagram de la fondation en question. On a pas mal discuté avec le fondateur, la Salah. C'était très intéressant, c'est top de voir ce type d'initiative. D'une part, ça a un bienfait social parce que ça donne un revenu à ces femmes au foyer, et d'autre part ça permet la préservation d'un savoir-faire ancestral. Et il faut dire aussi, les tapis sont très beaux. Ouais, moi j'en ai acheté un, parce qu'il était trop beau. Oui, la qualité du tissage, elle est incroyable, extrêmement serrée, extrêmement fin. On fait un super tapis de super qualité et très joli. Ici, on a Benizgen. Alors, la vallée du Mzab, c'est une pentapole. Donc, c'est une vallée qui est composée de 5 villes, dont Benizgen. Et il y a exclusivement des Mozabites qui habitent ici. Il y a à peu près 20 000 personnes. Donc ça, c'est un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité parce qu'il a conservé son caractère, disons, authentique, caractère culturel très fort, très marqué, et de par son organisation aussi particulière. Ce qui est fait sur les murs, ça c'est fait grâce au régime de date. Alors, je vais vous montrer c'est quoi. Voilà. En fait, c'est ça qui est utilisé pour faire la façade des murs. On est dans la tour qui domine l'Oksar du village de Benizgen. Il est à 550 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et je pense qu'on doit avoir une vue sympa depuis tout en haut. Pour ça qu'on monte. Ça monte beaucoup. Et chaque fille est... On est arrivé au niveau de Benizgen, voilà, un grand croisement pour rejoindre toutes les villes. Il nous reste encore 6 km à faire pour atteindre la ville de El Atof. C'est la Teuf. Et derrière nous, du coup, on a une des 5 villes de la vallée qui est Bounoura. Ouais, c'est Bounoura. Et en fait, quand vous regardez, c'est vraiment des villes qui sont situées le long de la palmeraie. Regardez, on voit les palmiers là-bas, tout le long. Et ensuite, c'est des villes qui sont entourées de remparts, faits de pisés à la base. Et ce qui est rigolo, c'est que les minarets, vous voyez leur forme ? Ça, c'est typique des mosquées de type subsaharienne. Vous voyez cette forme-là un peu conique qui se rétrécit comme ça plus on approche du sommet. C'est typique des mosquées du sud du Sahara, disons. Ça y est, les gars, on est arrivé après 5 heures de... on n'a pas fait que marcher pendant 5 heures. Ça fait 5 heures qu'on est parti du gîte. On arrive dans le Ksar de Lataf. On commence à se balader dedans. Je sais pas quoi vous dire de plus. La route, c'était bof. Nous, on a longé la route nationale, donc c'était pas d'un grand intérêt. Je pense qu'il y a moyen de longer la palmeraie. On n'a pas voulu s'y aventurer parce qu'on connaissait pas trop, et puis ça allait nous rallonger vachement le truc. On est dans le cœur du Ksar. Je suis toujours impressionné par la quantité de pigeons qu'il y a ici. C'est un truc de fou. Ils sont partout, même dans le désert. Je sais pas comment ils sont arrivés là. Alors, contrairement au Ksar de Benizgen, celui-là, vous pouvez visiter tout seul. Il n'y a pas de panneau à l'entrée qui vous dit de prendre un guide absolument, etc. Ce qu'on observe très vite aussi, c'est qu'il est plus sale. Vous voyez, il y a plein de déchets tout par terre. Ce qui me fait dire qu'à Benizgen, ils ont vraiment une politique de préservation de leur environnement, etc. Ce qui est super. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas expliqué par rapport aux Mozabites, c'est que c'est un peuple qui est très attaché à l'intimité. Ce qui fait qu'il y a, dans la construction des maisons, deux choses qui caractérisent ça. Donc, les maisons entre voisins ne se font jamais face. Vous voyez, j'ai une porte ici, et la porte du voisin, elle est un peu plus loin. Donc, en fait, quand ils sortent de chez eux, ils ne voient jamais l'intérieur de la maison du voisin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qu'on ne pourra pas vous filmer, malheureusement, c'est que quand vous rentrez, vous avez une espèce de... deux couloirs, une antichambre qui masque l'intérieur de la maison. Donc vous ne voyez jamais directement l'intérieur de la maison du voisin. Il y a une autre particularité dont on n'a pas parlé, alors qui n'est pas forcément liée à l'intimité, mais plutôt à l'environnement.
les maisons, elles n'ont que très peu de fenêtres, en tout cas des toutes petites fenêtres. Et en réalité, il y a une seule source de lumière à l'intérieur de la maison, c'est le puits de lumière. Et c'est justement pour éviter que trop de chaleur ne rentre. On a fini notre petit tour dans la ville d'El Attaf. El Attaf, ouais. C'était pas mal, c'est pas la plus belle des trois qu'on a visitées. J'ai une préférence pour Benizgen, en deuxième Rardaya, puis en troisième ici. Mais ça nous a fait du bien de nous dégourdir les jambes. Et donc là, on va retourner à Rardaya. Là, on va y aller en bus ou en taxi. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de prendre un peu de hauteur sur la vallée du Mzab. On essaie de dominer Rardaya pour y voir le coucher de soleil. Et c'est très beau parce qu'ici, vous voyez, on peut y voir les façades typiques de ces maisons-là, donc couleur terre. Et ce qui est aussi sympa à voir, c'est que les terrasses des maisons, elles sont peintes en bleu. Donc l'intérieur des maisons est peint en bleu. Et quand on regarde dans le détail, c'est très très beau. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a quitté Rardaya, comme vous pouvez le voir. Il faut qu'on vous avoue ce qui s'est passé. Ouais. En fait, on a complètement oublié de tourner la conclusion de Rardaya. Ce qui fait que là, on tourne la conclusion de Rardaya au moment où on va quitter l'Algérie. Alors même qu'il y a encore beaucoup de vidéos qui arrivent après Rardaya. C'est ça. Donc, on espère déjà qu'elle vous a plu. Oui, on est désolé, elle était un petit peu décousue. Voilà, mais c'est pas grave. Vous nous connaissez. Voilà. On est comme ça, ça arrive. Voilà. Mais bon, on espère que Rardaya, enfin, c'est pas que Rardaya d'ailleurs, oui, qu'on vous a montré. C'est la vallée du Mzab. Voilà, la vallée du Mzab, ça vous a plu, ça vous a donné envie de la visiter. Nous, on a vraiment adoré. Et la semaine prochaine, on arrive avec, je pense, notre vidéo qui va être la préférée, ouais, de toutes celles qu'on va c'est faire obligé sur l'Algérie. Franchement, on ne vous ment pas. Ouais. Extraordinaire. Ouais, rendez-vous la semaine prochaine. Mettez le petit, activez la cloche là, mais mettez le petit rappel pour que vous ayez la notif quand les vidéos sortent. Franchement, en plus, on vous le dit pas souvent. C'est la première fois qu'on vous le dit d'ailleurs. Ouais, franchement, on n'est pas du genre à se vanter du contenu qu'on propose ou des choses comme ça. Mais là, vraiment, nous, ce qu'on a fait, vraiment, on a kiffé. On a kiffé l'expérience. On a vraiment, je pense, un truc vraiment sympa à vous proposer la semaine prochaine. Donc, ouais. Soyez là. Soyez au rendez-vous. Ben merci en tout cas pour vos gentils mots, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça nous fait plaisir. Et d'ici là, prends soin de toi. Salut. Bye bye.